Bok internet du Safo suivre Teranga Sport News, bienvenue ci sen chronique de la semaine spéciale CAN. Ñu fassiyene jangatando ak yeen match Sénégal Cameroun. Bu ñu paré ci lolu fassiyene xalatando ak yeen nan lañ wara mëna def pour assurer définitivement la première place dans ce groupe ci suñu digënté ak Guinée. Match contre Sénégal Cameroun. Bu doon match bo xamantene c'était le match contrat pour la deuxième journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il y a un match qui n'est pas le cas parce que c'est le choc entre guillemets de ces phases de groupe. C'est le choc de la poule C. Nous faisons le premier match du Sénégal de Fadano Gambé 3 buts à 0. Il y a un match qui est une copie parfaite de la CAN. Quand on jouait fofu nak ñu joué ki nga xamantene moy Cameroun ci ginaaw lolu Cameroun joué nak Guinée dafa mo match nul 1 but partout donc l'enjeu était de taille Cameroun soxla won les 3 points pour se placer étant premier du groupe Sénégal soxla won ndam pour sceller définitivement li nga xamne moy qualification ñu dor ci li nga xamne moy 11 titulaire aligné par le coach Aliou Cissé ñu gis Aliou Cissé a misé sur la jeunesse avec un millier très jeune composé de trois jeunes, à savoir Pape Matar Sarr, à savoir Pape Gueye et un Lamine Camara des grands jours. Mais pas là, nous sommes étape par étape. Nous commençons sur la défense, une défense compacte. Maintenant, c'est la charnière centrale de la Coupe d'Afrique 2021 qui avait débuté, à savoir Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo. Un duo qui marche actuellement et malgré que un Niakhaté vient titiller souvent la posture de Diallo, mais Diallo a assuré. Édouard Mendy aussi des grands jours a assuré dans ses cases. Les latéraux toujours au top. Crépin étant piston, Crépin étant latéral de métier. Crépin, il donne tout. Zakop, rien à dire. Parfait pour lui. Mais juste sur le moment où il faut aller au football, il faut assurer les dernières tiers. Il faut assurer ce que vous savez que c'est parce que fofu rek la am problème jamono yi buñ jogé lolu dañuy ñëw ci milieu terrain Sénégal un milieu terrain très jeune mais qui a un avenir très prometteur parce que composé de 3 jeunes moyenne d'âge buñ ko xol sax mën nañ nek 21 ans Lamine Camara 20 ans Pape Matar Sarr 22 ans ou je me trompe pas 23 ans Pape Gueye 23 ans ils sont très jeunes mais ils ont mangé les Camerounais waouh quel match de ce milieu sénégalais parfait. Nous avons un Lamine Camara des grands jours. Il courait partout. Pape Matar Sarr au top de sa forme. Il courait partout. Il récupérait des ballons. Alors même, nous empêchait qui nous ramène moi Zambo Anguissa, un taulier du football mondial, empêchait qu'au jouer. Pape Matar Sarr a réussi son match. Mais que dire de Pape Gueye? Pape Gueye dans l'entre-jeu, devenu le plus bon d'homme. Ratisser le ballon et ramasser les deuxième balles. Des passes millimétrées, très précises. Le Pape Gueye doit assurer le match pour vous. Nous jouons pour vous au front de l'attaque. C'était leur match. Ils ont répondu présent. C'est un match là où nous avons été. Nous avons dit que nous avons dit Ismaïla Sarr, très attendu. Nous avons dit que nous Ismaïla Sarr, il a répondu présent. Habib Diallo, un renard de surface, il l'a montré. Félicitations à toute l'équipe, félicitations au coach Aliou Cissé, mais félicitations à l'estaf qui est en train d'abattre un travail exceptionnel. Quand on parle d'estaf, on ne parle pas de Pape Diallo, on ne parle pas de quelqu'un. Sénégal actuellement, ils sont en train de faire leur CAN. Et Amine Diakhar continue, il va être très difficile de stopper ce Sénégal. Effectif, il faut compacter vos souris. Parce que quand on regarde en deuxième période, ça va apporter leur contribution à l'édifice. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire pour donner la victoire, pour avoir la victoire, ñep dañ ci impliqué wow. C'était un match très attendu comme l'on connaît. Sénégal assuré être premier de son groupe pour le moment, mais doit jouer un match bo xamné mën na semi-finale quoi. Mais on est qualifié, mais on peut à tout moment perdre la première place si on ne gagne pas là. Si on ne fait pas suñu défaut résultat positif contre Guinée, c'est-à-dire un match nul voilà une victoire. Buñ ko défa contre Guinée, on peut perdre la première place au détriment de la Guinée. Sans oublier que la Guinée a battu la Gambie. Donc, ils seront en confiance. Sûrement avec le retour de Guirassy, très attendu aussi. Donc, la Guinée est un adversaire qu'on doit prendre très au sérieux. Mais n'empêche qu'Aliou Cissé, je pense bien qu'il va tourner effectivement. Aliou Cissé va tourner effectivement dans ce match. Parce que, Disney, Milié, Kérok, Lamine Camara, il souffle son nom.
Pape Gueye aussi doit se reposer, Ismaïla Sall doit se reposer. Am nañ pas envie yaakar na buñ défé les changements qu'il faut dinañ mëna permettre ñu gagner kiné wala bo defo do ci victoire nga match bi ñu terme le premier du groupe xaar adversaire en 8e de finale lool yépp zone bi si ça arrive c'est grâce au travail effectué par la fédération ainsi que l'état du Sénégal ñu leen di gëno jogal bu baaxa baax cher japonais de terrain sport ñu ñi nga xamné ñi topone ëpp partout ci suñu site internet ci suñu page Facebook page TikTok page YouTube ainsi que toutes nos ressources yo xamanteni ñu ci topone ñu leen sant leen gëreum di sant Fatima Ba mi nga xamné mo nekk fa la ci yamu sukuru top kay day di def travail aussi bu remarquable di leen jox di tegge très prochainement ci bénéfice vidéo ñu jàngatan do leen match par match résultat par résultat ak réalisation wala exploit bo xamanteni kay day ñu ko def ñu leen di wax allez les lions, décrochons la seconde, la deuxième étoile et ensemble on va le faire. Un Lamine Camara des grands jours, il courait partout. Pape Matar Sarr au top de sa forme, il courait partout, il récupérait des ballons. Alors même, nous empêchait qui nous a dit Zambo Anguissa, un taulier du football mondial, empêchait qu'au jouer, Pape Matar Sarr a réussi son match. Mais que dire de Pape Gueye? Pape Gueye, dans l'entre-jeu, def na lepp lu waron def ratisser na ballon et ramasser les deuxième balles des passes millimétrées très précises lepp Pape Gueye dako assurer ci match bobu ñu joggé fofu dem au front de l'attaque c'était leur match ils ont répondu présent sen match la won té wona nañ ko tay ji ku ci melni Sadio Mané Ismaïla Sarr très attendu ku dum xaar bu baax Ismaïla Sarr il a répondu présent Habib Diallo un renard de surface il l'a montré. Félicitations à toute l'équipe, félicitations au coach Aliou Cissé, mais félicitations à l'estaf qui est en train d'abattre un travail exceptionnel. Si on parle d'estaf, on ne parle pas de Pape Diaw, on ne parle pas. Sénégal actuellement, ils sont en train de faire leur canne. Et si on a un continuer, il va être très difficile de stopper ce Sénégal. Effectif, il faut compacter vos souris. Parce que quand on regarde ce en deuxième période, ça va apporter leur contribution à l'édifice. Nous devons faire ce qu'on doit faire pour donner la victoire, pour avoir la victoire, ñep dañ ci impliqué wu. C'était un match très attendu comme nous l'avons dit. Sénégal assuré être premier de son groupe pour le moment, mais doit jouer un match bo xamné mëna né semi-finale la quoi. Mais on est qualifié, mais on peut à tout moment perdre la première place si on ne gagne pas là. Si on ne fait pas suñu défaut résultat positif contre Guinée, c'est-à-dire un match nul voilà une victoire. Buñ ko défa contre Guinée, on peut perdre la première place au détriment de la Guinée. Sans oublier que la Guinée a battu la Gambie. Donc, ils seront en confiance. Sûrement avec le retour de Kirasi, très attendu aussi. Donc, la Guinée est un adversaire qu'on doit prendre très au sérieux. Mais n'empêche qu'Aliou Cissé, je pense bien qu'il va tourner effectivement. Aliou Cissé va tourner effectivement dans ce match. Parce que, qu'est-ce qu'il y a milliers de Kérok, Lamine Camara a essoufflé son nom. Pape Gueye aussi doit se reposer. Ismaïla Sall doit se reposer. Am nañ pas envie. Yaakar na buñ défé les changements qu'il faut dinañ mëna permettre ñu gagner Guinée wala bo défo do ci victoire nga match bi ñu terme le premier du groupe xaar.